Salut. Salut YouTube, salut Twitch. Bonsoir à tous et bienvenue sur un stream sponso incroyable. Petit stream sponso, mais sponso, c'est pas genre sponso un jeu mobile à la con où tu te fais chier. Non, là, c'est un stream sponso intéressant. Paypacker m'a contacté via le biais de quelqu'un, bien sûr, que j'embrasse, pour justement que je teste un peu une plateforme. Et c'est une plateforme qui est vraiment sympa. Avant de vous la présenter, autant regarder directement un trailer. Parce qu'un trailer, ça parle beaucoup mieux que moi. Les trailers, ils parlent mieux que moi. J'y peux rien. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais moins bien parler qu'un trailer. C'est comme ça. Alors, j'ai aucune idée de si je vais me faire strike pour cette musique. Dans le doute, comme il n'y a que de la musique, je vais couper le son et mettre Spotify. C'est OK pour vous? Parce que ça, je sais qu'il n'y a pas de souci. Ouais, non, non, en vrai, c'est pas stylé, c'est pas grave. Je prends le risque de me faire strike. Je prends le risque. Hop là! Donc, c'est une plateforme! Une plateforme, entre guillemets, multigaming. Enfin, pas multigaming, mais comment dire. Social gaming. Une plateforme social gaming où vous pouvez jouer à des jeux rétro et indé, à la fois solo et en multijoueur, directement sur votre navigateur. C'est sur un navigateur, c'est même pas une application ou quoi. C'est directement comme ça, là, sur Internet. C'est directement sur Internet et c'est super simple d'accès, comme ça. Vous invitez les gens, vous avez un lien. Alors moi, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, donc on va pas tester la fonction online. Mais pour l'avoir vu chez d'autres, elle a l'air de très très bien fonctionner. Notamment chez Bob Lennon, hein, que vous connaissez tous, à mon avis, vous le connaissez logiquement. Et il y a plus de gens qui connaissent Bob Lennon que moi. Donc a priori, vous connaissez Bob Lennon. Et actuellement, c'est accessible là directement. Là, je suis là, voilà. Je suis le petit influenceur que vous connaissez. Mais c'est accessible déjà gratuitement pour tout le monde. Pipecker est en bêta, mais vous pouvez déjà vous inscrire et avoir du contenu gratuit là-dessus. Parce que c'est pour l'instant, c'est full gratos. Pour l'instant, Pipecker est full gratos. Et vous allez pouvoir voir, tac. Attendez 2 secondes. Hop, je remets ça. Vous allez pouvoir voir que Pipecker, il y a déjà un gros contenu dessus. Je crois qu'il y a plus de 80 jeux. Il y a plus de 80 jeux déjà jouables. Entre jeux rétro et jeux indé, quand on dit jeux rétro, c'est jeux de genre vieilles plateformes, genre NES, Super NES, arcade, etc. Et je pense que je vais remettre de la musique à partir de maintenant. Mais voilà, l'interface, ouais, elle est assez sympa. Vous voyez directement ce que vous avez. Vous voyez directement tranquillou, là, vous êtes là. Et vous descendez, vous avez plusieurs sélections. Alors, vous avez des sélections de jeux multijoueurs directement, les nouveautés. Vous avez le Bring Your Own Game qui, là, pour le coup, c'est la seule chose que vous n'aurez pas. En arrivant sur le site pour le moment, c'est la seule chose que vous n'aurez pas en vous inscrivant. C'est tout simplement une fonction supplémentaire qui vous permet de ramener votre jeu vous-même directement sur la plateforme. Vous arrivez là, imaginons vous avez une ROM de Game Boy Advance. Vous avez une ROM de GBA sur vous, enfin sur votre PC, et vous dites tiens, bah je pourrais y jouer. Et bah bim, vous allez là, vous glissez votre jeu là, et bim, vous pouvez y jouer sur la, vous pouvez jouer directement là-dessus, et vous pourrez même y jouer en multi, de la même manière que pour les autres jeux. Avec le lien que vous envoyez à vos amis, c'est très simple pour le coup. C'est vraiment très simple. Malheureusement, moi je vais pas vous le montrer hein. Ce soir. Moi je vais me concentrer sur le contenu solo. Mais vous voyez, il y a beaucoup de trucs, il y a du multijoueur, il y a de la plateforme, il y a des jeux de tir, du sport, le combat, le puzzle. Je lis juste ce qu'il y a écrit là, ouais, j'en ai conscience. Mais voilà, vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, en vrai, le côté indépendant, ça m'intéresse aussi là, de voir un petit peu des jeux rétro indés. C'est un peu marrant comme catégorie, j'ai un peu envie de voir certains trucs là-dessus. Et on testera aussi pour le Bring Your Own Game. Et d'ailleurs, cette fonction Bring Your Own Game, du coup le BYOG, comme on pourrait l'appeler, ce serait plus simple. Eh bien, vous pouvez l'avoir pour 2 mois gratuits actuellement avec mon code qui est PAI123MIATIC. Là, si vous allez sur le chat et vous tapez pour l'exclamation PAI, normalement, vous l'avez décrit. Voilà, c'est ça. PIE123LUNATIC, PAI comme ça. Et pour l'activer, c'est simple. Hein, vous allez là, tac, vous allez dans Paramètres. Et c'est tout en bas là, quand vous allez là, vous allez dans Code, utiliser le code. Et là, vous faites ça, paille, 1, 2, 3, lunatique, et vous l'utilisez, et moi, ça me dit que je peux pas parce que je l'ai déjà utilisé. J'ai utilisé mon propre code, et ça marchera pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous aurez tout ça. Et faut savoir que ça avait été Kickstarté à l'époque, et du coup, il y a les fonctionnalités pour les Kickstarters exclusifs, tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, et bah franchement, ouais, on va tester la vite fait. Hein. Alors, pas un jeu multijoueur, du coup, on va jouer un jeu d'abord solo, là. Je dis d'abord, mais en fait, on va faire que du solo, hein, logiquement, ce soir. Normalement, je vois pas ce que je pourrais... Je vois pas ce que je pourrais faire du multi, à moins que je fasse chier un de mes potes, mais bon, en vrai, Osef. Hein.
qu'est-ce qui pourrait être sympa à se faire là, histoire qu'on teste vite taf là. C'est foufou un peu quand même, c'est foufou, c'est complètement foufou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je vois Worms. Ah oui, mais c'est un jeu de puzzle. En vrai, les jeux de puzzle, hein, c'est un petit peu... c'est un petit peu mon délire, cela dit. Mais, vas-y, bah, juste, allez, on teste. Même si c'est... Je connais pas Worms Blast, en vrai. Allez, hop. Ça va être l'occasion de tester, justement. L'occasion de voir. Et regardez comme c'est simple. Vous entrez là-dessus, vous avez directement soit vous pouvez jouer au clavier, soit à la manette. J'ai amené ma manette. La manette, elle est là. On peut jouer sur manette, directement. Je vous rappelle que je suis sur un navigateur, hein. Là, je suis sur un navigateur, c'est-à-dire là, je change d'onglet, on est chez Bernard Pivot. Bon, peut-être pas le meilleur onglet dans lequel je pouvais me mettre, mais on y est, en tout cas, on est là. J'entre dedans, il va y avoir un petit temps de chargement, c'est normal, mais encore, bah, il est minuscule. Et le jeu est en HD, je sais pas lequel, je crois que c'était sur Game Boy, justement, hein, ça, Game Boy, Game Boy Advance, donc ça va pas être du gros HD, on s'en doute. Et du coup, là, je peux jouer à ça, là. Et regardez, juste aucun lag, hein, vraiment. Tac. Tac. C'est direct. Et là, si je veux, là, je prends ce code-là, je fais copier, je l'envoie à un de mes potes, je l'envoie à quelqu'un, et dans 30 secondes à peine, il est là et on joue. Il est là et on joue. Et là, bon, on voit pas ma caméra parce que elle est déjà utilisée en stream, mais en soi, je pourrais... Attends, là, on peut faire un truc. On peut tester un truc, attendez deux secondes. Voilà, l'audio du jeu est absolument démentiel, mais attendez, on va tester un truc. Je vais faire un queutru. Hop, je désactive ma caméra ici. Et je la réactive là-bas, est-ce que ça va marcher si je fais ça? Hop. Oh! Insane, énorme. Attendez, du coup, on va se mettre en gros plan. En vrai, je peux me mettre en gros plan, là. Attendez, hein, deux secondes. J'arrive. C'est juste que là, du coup, je dois gérer ça en parallèle. Je vais mettre en gros plan. Il est où, le gros plan, là? Tac, 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 tac. Hop, voilà. Ah, mais il n'y a pas l'écran. C'est pas grave, on va le mettre quand même. Oh, mais par contre, le son du jeu, pitié! Oh, pitié, le son du jeu, là, deux secondes, hein. Deux secondes, le jeu, vous ne voyez rien, c'est ma faute. C'est moi, scène. Écran. C'est ça ou pas? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Oh. Oh non, mais c'est chiant, qui est sur l'écran. Bon, c'est bon. Bon, au moins, vous voyez que je suis sur mon navigateur là. On va y arriver, hein. On arrive. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on. Oh non, mais c'est chiant. Voilà. Tac. Et voilà, et on est bien là. Ah merde, mais j'ai qu'à me mettre en F11. Idiot bête. Voilà, je me mets en F11, là on est bien. Et voilà. Et vous avez vu, je suis juste là. Juste là, et je peux même me mettre... Bon alors, c'est... On va pas juger cette... Mais imaginez que vous ayez envie d'avoir une tête de cheval. Moi, moyen, je peux pas vous mentir. Voilà, j'ai une tête de cheval, et, qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous pouvez vous retrouver dans une configuration, vous aurez vos 4 potes. Vous aurez vos 4 potes, entre 2 et 4 potes. Et vous aurez des trucs. Alors, regardez, si je veux, je peux juste... Ah, lui, je le trouve mignon. Lui, je peux avoir un petit pote. Un petit pote sur mon épaule, là. Bah, reviens. Voilà, reviens. J'ai un petit pote sur moi. Bon, ah, il est temps que je passe cet écran, j'en peux plus. Ah oh, ouais. Alors... Alors, c'était pas forcément la meilleure bande-son. C'est peut-être pas le meilleur jeu que je pouvais tester, hein, en termes de bande-son. Mais en tout cas, ça fonctionne. Oh là, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. C'est... On a les good vibes des années 90, là. On les a. Le rétro, tu le sens, mon rétro? Tu le sens? Tu le sens, mon rétro, là? Je me suis trompé de bouton, au secours. C'est vraiment pour tester ce jeu, parce que... Putain, mais on dirait un jeu de combat Worms, quoi. What the fuck? Boggy B, Suzette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rocky, Calvi, mais qu'est-ce que... Putain, il y a vraiment des personnages dans Worms. Attendez, la vieille dans Worms, ça s'appelle Ethel. Non, mais c'est incroyable. Donc, là, il y a du lore, là. Là, il y a du lore dans Worms, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a du lore dans Worms? Oh non, j'ai quitté, je me suis trompé de bouton. Bon, Boggy B, testons Boggy B. Je veux juste tester. Non. Je joue au jeu, mec. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de...
que c'était une bonne idée de... 2 étoiles. Tu as 40 secondes pour récupérer les 2 étoiles. Ouais, de ouf. Je peux faire quoi, là? Hein? Ah, mais d'accord. Ah oui, non, mais j'ai skippé le tuto, c'est ma faute, hein. Mais comment ça marche? Oh, bah. Ah, mais si! Ok, j'ai. Oh, putain, incroyable. En vrai, stylé. Et hop, et là, je touche le... Oh, let's go. Ok. Ah, oh, c'est stylé, en vrai. Ok, ok. Faut que j'aille chercher vite. Ok. Ah putain, d'accord. Ah, moi je pensais que c'était juste un casse-brique à la con, mais en fait, c'est un peu plus... c'est un petit peu plus stylé qu'un casse-brique. Par contre, la musique, hein, la musique de ce jeu est à chier. Hein. Mais rien à voir avec Pipe Hacker, hein, c'est vraiment le jeu. 2 minutes pour détruire 10 ovnis. Ok. Attends, 2 secondes. Ok. Et donc... D'accord, et comment j'ai... Attends, 2 secondes. Comment j'ai les étoiles? Pas comme ça. Je dois juste détruire les blocs colorés. Ok, je détruis le bloc coloré. Tac. Je me casse. Putain, en vrai, les contrôles sont assez stylés, par contre. Hein? Pourquoi j'ai reçu un frigo dans la gueule? J'ai rien compris à ce que j'avais à faire. Pourquoi Mais pourquoi on reçoit des trucs dans la gueule? Quelle est la logique de ce jeu? Je crois qu'on va tester un autre jeu après. Quelqu'un avait joué à Worms Blast dans sa vie ou pas? Bah par contre, je suis à chier, c'est terrible hein, ce que je propose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je suis en train de faire? En fait, je peux... Hein? Ah, mais comme... What? Ah oui, d'accord, je viens de découvrir une mécanique du jeu. Eh ben écoutez, très bon jeu, très bon jeu. On va passer à un autre jeu, je vais pas vous mentir que c'est pas pas le meilleur choix que je pouvais faire, celui-ci. On va... pas le meilleur choix de... À la limite, un jeu que je comprends un peu plus, pour le coup, c'est Magical Drop. Magical Drop, pour le coup, je connais un peu mieux. Y'a quoi dans les plus nouveaux, là? Pourquoi y a deux fois Magical Drop 2? D'ailleurs, Magical Drop, genre tout. Ça doit pas être sur la même console, je pense. Je sais pas lequel vaut mieux le coup. Celui-là, il a l'air d'être propre, hein. Il a l'air d'être propre. Attendez, hop. Je testerai d'autres types de jeux après, vous inquiétez pas. Vous allez me revoir. Regarde, je suis de retour. Salut à tous. Je suis là. Attendez, la tête de cheval. Vous voulez une tête de cheval ou pas? Vous me direz. Vous me direz si vous voulez une tête de cheval. Je peux avoir une tête de lama, si vous voulez. Quelle angoisse. Ah non, mais c'est... voilà, c'est marrant, en vrai. Putain, mais ça me suit pas mal, en vrai, quand même, hein. Une fois que ça m'a perdu, ça m'a perdu. C'est peut-être à cause des lunettes aussi. Ah voilà, c'est bon. J'ai bien mangé là. Bien mangé de la paille là. Non, je préfère qu'on garde mon anonymat, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir rester anonyme. Merci à tous. Respectez mon anonymat, s'il vous plaît. Alors, nous allons jouer du coup à Magical Drop 2. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Bon là au moins normalement les musiques devraient être un peu plus stylées. Voilà. Ah et on a un tuto et là j'ai le tuto. Ah bah là je vais peut-être enlever ça par contre. J'avais oublié. Hein. Excusez-moi. Tiens, mais alors c'est pas comme Puyo pour le coup. Vous m'avez déjà vu jouer à Puyo, mais c'est pas Puyo. C'est pas Puyo, c'est alors en parlant très couramment japonais, je sais exactement ce que je fais là. Je crois qu'on a pris la version japonaise. Je me suis fait avoir. Merci beaucoup Spring Green. Je me suis fait avoir, j'ai cru que la version avec un 2 serait une version non japonaise, et en fait, non, c'était l'inverse. Mais personnellement, je suis plus ça, moi. Ouais, ouais, pareil. Ouais, exactement. C'est parti. Ah, mais c'est un mode puzzle, ça. Ok, hop. Hop là. Alors, le but de ce truc-là, c'est... bon, ça, pour le coup, c'est un vieux jeu d'arcade. C'est vraiment les vieux jeux style arcade. Qu'est-ce que je fais? Tac. Un peu chier. Alors celui-là pour le coup, autant Puyo je maîtrise, autant celui-là un peu moins. Tac, mais il faut faire des matchings de 3 couleurs comme ça. Tac, on prend des billes. Et on fait des combos. Ah merde, j'étais à chier. J'étais à chier, il faut le dire. Hop. Mais bon, ça c'est un peu les jeux de matching gem, c'est un peu mon délire. Merde, qu'est-ce que je fais? Vite! Vite! C'est bon, je suis en vie.
Le jeu de matching game comme ça, c'est vraiment délire. Je me souviens, j'avais joué, c'était à l'Extra Life Café, j'avais fait un versus, je sais plus, c'était avec Maxime, je crois. Merde, j'ai niqué mon combo. Voilà, c'est... Là, c'est juste un mode infini. Ah ouais, par contre, le compteur de combo, il est vénère. Genre, il est au bout d'une milliseconde, ça s'arrête déjà les combos. Oh, quelle vie. Tac. Moi, je pensais que j'allais avoir du versus. Attendez, je vais me suicider. Voilà. Voilà. Je ne parle pas assez japonais, malheureusement. On dirait que je ne parle pas assez japonais. Oh non, merde, j'ai dit continue. C'est mon grand problème, j'aime bien continuer. C'est le combo à la Jap. Oui, après, c'est parce que là, pour le coup, autant Puyo je maîtrise, autant celui-là pas trop. Hein. Mais attendez, en vrai, là-dessus, est-ce qu'il y a un jeu auquel j'ai joué dans mon enfance? Il n'y a pas... En vrai, je peux vous mentir, malheureusement, j'ai beau être vieux, je suis pas assez rétro. C'est-à-dire que moi, ma console la plus vieille que j'ai eue, c'était la PlayStation 1. Du coup, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de jeux là-dedans auxquels j'ai joué dans ma vie, mais au pire, on en testera. J'ai envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer avec Aldis. Attendez. Coup de poing moyen, coup de poing rapide, coup de pied rapide. Et coup de pied brutal, coup de poing brutal. Mais il y a trop de brutalité. Les jeux vidéo rendent violents, mesdames et messieurs. Non mais attendez. Alors je connais pas le jeu, hein. Mais j'ai envie de le connaître. Je connais pas le jeu, mais j'ai envie de le connaître directement. D'ailleurs, attendez, j'ai oublié d'enlever un truc. Il faut que j'enlève la petite barre là, voilà. Tac. Mon petit pote, reviens mon petit pote. VRF. Oula, ouais. Attendez, il y a des délires là. Attendez, pourquoi il y a. Qu'est-ce que c'est que ces personnages? Attendez, mais c'est Kermit. Non, c'est quand même pas Kermit la grenouille. Clay Fighter, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a des délires, hein. Ah, il y en a qui connaissent. Mario Mus, tu connais? Incroyable. Comment vous connaissez des trucs pareils? Option. Ah, si. Game speed, quoi? Difficulty easy. Non. Ouais, easy, s'il te plaît. Je suis un peu à chier. Hein. Ouais, je te fais confiance pour le reste. Start game. Du coup, là, il y a un versus mode, mais si je fais le versus mode, je joue tout seul, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, les ronds, là? Ah non, c'est un blob. Je veux jouer l'Explore là, c'est tout. Ah oui, mais comme je... Ah oui, mais j'ai pas de... J'ai fait une erreur. C'est pas... En fait, c'est censé être pour le joueur 2. Attends, peut-être qu'il y a que le clavier. Pas du tout. Comme c'est censé être pour le joueur 2 et que j'ai pas invité le joueur 2 dans ma room, faut que je recommence. C'est ma faute. C'est ma faute d'avoir voulu jouer à 2 alors que j'ai pas l'ami. Par contre, il est hors de question que je joue pas à ce jeu. Il est où? Il est hors de question que je ne joue pas à Clay Fighter. Il est où, Clay Fighter, là? Rends-moi Clay Fighter. Sinon, au pire, si je veux vraiment chercher un truc, je crois qu'il y a une fonction chercher. Allez, tac, ici. Clay Fighter, voilà, bim. Je repasse dessus, et là, cette fois, on joue à deux. Enfin, je joue solo. Tu peux connecter ton clavier en joueur 2. Ah, merde. J'avais pas l'info. Mais sûrement, oui. Allez, on entre dans la salle, on y va. Et cette fois-ci, je joue Elvis. Pour de vrai. D'ailleurs, faut savoir que si je veux, je peux le mettre juste en grand écran comme ça. Voilà, on est bien, là. Ah oui, et chose importante aussi, vous pouvez sauvegarder une partie. Genre, imaginons que vous êtes en plein milieu d'une partie d'un jeu rétro. Vous savez, il n'y a pas de sauvegarde dedans, à la base. Mais là par exemple, tu me demandes, souhaites-tu reprendre ta progression? Je vais dire non, parce que sinon je vais être rebloqué. Mais à tout moment, vous pouvez cliquer là-dessus, là. Et bim, et vous pouvez aussi faire pause. Hein. Bon, ça, ce qui est pratique aussi, si vous en avez marre à un moment de la musique ou un truc. Bam, si vous avez un petit truc urgent, ça peut être utile, effectivement. Alors, start game. Oh mon dieu. Ah oui, c'est... Ah, c'est beau, hein. C'est... Qu'est-ce que c'est que ce jeu, bordel? Mais... C'est vraiment... Ah, le jeu rétro, c'est un délire, hein. Blue Sweet Goo. Mais bah, c'est Elvis, quoi, on a compris. Oh mon dieu, je vais faire des cauchemars, hein. Bon, il va falloir que je teste des jeux un peu plus connus, un peu plus sympas, quand même, après. Parce que là, j'ai vraiment choisi les pires, je crois.
Ah, on dirait le combat contre... Mais c'est la meuf que combat Rayman. C'est Big Mama. Alors je suis Elvis. Alors, je vous rappelle que j'ai mis le jeu en facile. Ah non, je l'ai pas mis en facile. Je suis à chier, on peut le dire. Mais c'est moi ou en une attaque, elle m'a enlevé la moitié de ma vie tout à l'heure? Oh. J'ai aucune idée de ce que je fais. Oh. Ah. J'ai l'attaque... Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de la contrer et tout, attends. Mais putain, mais elle me contrôle bien, celle-là. Elle se contrôle bien, hein. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est juste trop forte. Après, j'ai toujours été à chier au vrai jeu de combat, mais alors ça, c'est... Je me fais exploser. Je me fais exploser, je le vis mal. Je veux gagner. Non, le problème, c'est... Ikibod. Il faut Ikibod. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore? Qu'est-ce que c'est que ce jeu, encore, que j'ai choisi? Excusez-moi, j'ai vu Elvis, j'ai cliqué, moi! Non, mais attendez. En fait, le problème, c'est que je sais... Je practice pas mes coups, donc je sais pas, ils font quoi. Non, mais laisse-moi tranquille 2 secondes, s'il te plaît. Ah, c'est un chien, maintenant. Oh, j'ai une allonge de fou, là! Oh, l'allonge de baiser! Oh, l'allonge de baiser qu'il a! Mais il saute comme un chef! Ah, il saute comme un malade! Oh, l'allonge de baiser qu'il a, lui! Mais il est top tier, lui! Il est clairement top tier! Elvis, à côté, c'est une merde! Par contre, les animations sont extraordinaires. Hein. Mais je vais exploser, hein, j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Attends, je fais... Alors, faut savoir que là, je fais plusieurs attaques différentes, là. Là, techniquement, il y a plusieurs attaques différentes dans ce que j'ai proposé, et pourtant, c'est la même animation. Oh, il y a des... Alors là, je ne saute pas, hein, faut savoir. Je crois qu'il saute tout seul, des fois. Bon, il y a des choses... Faut s'améliorer. Je crois qu'on va pas être très loin dans ce jeu-là, hein. Je sais pas où on tient. Pas mon jeu préféré pour le moment, mais... Ah, si, il y a de la musique, mais juste, elle est à chier. Écoutez. Il y a des combinaisons de touches. Attendez, il y a des combinaisons de touches, je suis à fond. Let's go. Plus jamais je joue à ce jeu. Mais j'ai gagné. Ah non, mais je vous promets. Oh, attendez, il y a l'air d'avoir des trucs plus intéressants quand même, genre Earthworm Jim. J'ai jamais joué à Earthworm Jim, mais je sais qu'ils étaient sympas ces jeux à skip. Après, bon, les jeux rétro, hein. Les jeux rétro, quand on en a des souvenirs, et qu'on y rejoue après, on se dit... Ah. Ouais, un truc qui m'intéressait tout à l'heure, c'était ça, c'était... Attends. Les jeux indés. Ils sont des jeux indés, ils sont là. Il y a des jeux indés. Et il y en a qui ont l'air vraiment sympa, genre... Space Guts. Space Gus. Space Gups, je sais pas. Il faut remplacer par une lettre. Space Gugs. Oh, Twin Dragons aussi, ça a l'air sympa. Ah, ça a vraiment les grosses vibes rétro, hein, c'est incroyable. Ça aussi, ça a l'air cool. Putain, mais il y en a plein qui ont l'air cool. Il y en a plein qui ont l'air bien. Ouais, ça on dirait un petit jeu. Ça on dirait un petit jeu un petit peu qui peut sortir à n'importe quel moment aujourd'hui. Hein. Attends, ça me dit quelque chose, ça. Ah non. Putain, il y en a plein en vrai qui sont sympas. Hein. Attends, c'est Franklin. Et c'est Franklin. Il est là pour jouer avec toi. C'est pas lui, hein, pas du tout.
Il y a beaucoup de choses en vrai. Doodle World, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Y a pas, ils sont pas tous de la même qualité, quoi. En vrai, je suis grave chaud pour. Je suis grave chaud pour Twin Dragon, ça a l'air sympa. Ouais, un petit peu. Space Amogus. Arrêtez qu'Amogus, pitié. Alors, au niveau. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment un tuto à chaque fois pour chaque jeu. Genre là, je sais exactement quelle touche de mon truc à faire quoi. Sauter, tirer. Ok. Sauter, tirer. Juste, y a que ça. Et bien sûr, démarrer. Comme ça. Je vais le démarrer. C'est parti. Ah, vite, rendez-moi mon blob. Rendez-moi mon pote là. Ou alors, je suis un pirate. Regardez, je suis un pirate. Oh, Moussaillon! Alors, Moussaillon, comment tu vas? Oh, oh. Non, mais lui, il est bien, lui! Lui, il est bien, hein. Alors, voyons voir, New Game Password Jukebox. Ah ouais, il y a des passwords comme à l'époque et tout, là. Bah, j'imagine que j'ai pas trop le choix, vu que c'est une première partie. J'y vais. Allô? Allô? Je crois que il a pas capté mes boutons pour bouger. Alors, j'ai pas le droit de jouer en autre chose que normal pour le moment. Je vais recommencer pour voir si c'est ça ou pas. Parce que je peux genre appuyer. Je peux genre confirmer mais je peux pas bouger. Ah, ce serait dommage. Ah, faut appuyer sur select. Ah, c'est ça la méta. C'est ça la méta. Ah, c'est vrai qu'il y avait des trucs comme ça hein, dans les jeux un petit peu plus anciens, il y avait des délires. Hein. Ah ouais, choix du menu, c'est là. Ah ouais. Ah ouais, faut y penser. Oh, j'ai plus l'habitude de ces anciennes. Ouais, reprendre en progression, du coup, comme ça, je gagne du temps. Voilà. Et donc là. Ah ouais, avec Select, ça marche. Ok, bizarre. New game. Bon, après, en vrai, normal, ça me va très bien. Hein. C'était juste pour pinailler, parce que j'avais peur. Ok, bah parfait. Par contre, rendez-moi mon blob. Pitié. Merci. Ah bah sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne suis que poussière. Ah, il y a une histoire, merde, j'ai pas regardé. Bah d'accord. Mais le gars leur enlève, le gars leur enlève son œuf. L'enlève leurs ailes. Et puis, bah, il les tue. Genre, il fallait les tuer directement, hein, ça allait plus vite. Hein. Ah non, ils sont pas morts. Ils sont juste téléportés. Très bien. Password 6FMTDSX6. Et vous? Et vous alors? Allez, on y va. Alors, comment ça joue? The Hills. Eh, mais c'est Sonic? Non. C'est comme Sonic? Oui. Je peux jouer? Merci. Ok, je peux sauter. Oh, il y a un nuancier de saut. Il y a un nuancier, les gars. Je peux tirer. Est-ce que je peux spammer comme un malpropre? Est-ce que je peux charger? Je peux pas me baisser, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ok. Ok. Bon, la mécanique est simple. Un piment. Piment Spoulette. C'est vraiment les vibes à l'ancienne, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être très nouveau l'enfant. J'ai vraiment joué à des jeux comme ça dans mon enfance et du coup c'est là pour le coup. Vous savez que je suis pas quelqu'un dans le rétro de base. Je joue pas, voire quasiment pas à des jeux rétro. Surtout pas à des plateformers rétro. Et là pour le coup ça me rappelle vraiment les vieux jeux vraiment sur ce. Ouh la merde. Sur ma Game Boy, parce qu'à l'époque, lorsque je jouais à la Game Boy, mon père était... Bah, il est toujours policier. Et des fois, il ramenait... va savoir pourquoi, il y avait des mecs à la Tour Eiffel. Ils vendaient des cartouches de Game Boy, etc. Genre, à des prix éclatés au sol. Je suis mort. Parce que je voulais esquiver le champignon. D'ailleurs, est-ce que je peux leur sauter dessus? On verra bien. Mais du coup, il ramenait des cartouches, entre guillemets, un peu illégales. Et c'était des cartouches de compilation de jeux. Et de jeux genre qui sortaient jamais en France, des trucs comme ça, genre des jeux japonais, des jeux coréens, chinois, ce que tu veux. On sait pas. J'ai jamais su parce que de toute façon, à l'époque, je ne savais pas reconnaître autre chose que le français. Parce que j'étais un enfant, je me rappelle. Et du coup, ça me rappelle vraiment ce genre, parce qu'il y avait vraiment... C'était rempli de ce genre de jeu. Hein. Rempli de ce genre de jeu, ce genre de graphisme. Il faudrait que je teste de sauter sur un champignon. Et vraiment, ouais, les bootlegs, c'est ça, les fameux jeux bootleg. Et il y avait des vrais jeux dedans, hein. Alors je ne peux pas. On m'indique que non. C'était vraiment les jeux comme ça à l'ancienne où... Attends. Voilà. Je l'ai. Et vraiment, les jeux à l'ancienne comme ça, tu te prends pas la tête, c'est une ligne droite. Tu me défonces tout ce qui bouge, et voilà.
Les jeux de plateforme à l'ancienne. Hein. Oh, bâtard, il a failli m'avoir. Est-ce que c'est vraiment intéressant, ces piments? À quoi vont-ils me servir? Ah, mais je pense que si j'en ai 100, je gagne une vie. Car les dragons aiment beaucoup les piments, et du coup, quand ils ont 100 piments, ils gagnent une vie. C'est normal. Ok. Hein? Que... Attends, je vais tester un truc. Est-ce que en allant en bas... Ah ouais, regardez! Je peux traverser une plateforme vers le bas, mais du coup ça ne l'a aussi là? Ah non. Mais du coup je peux traverser une plateforme vers le bas en faisant bas et en sautant. Et du coup comme je savais pas, j'ai dû appuyer sur bas sans vraiment trop faire attention en étant sur ces plateformes là. Et je suis tombé dans l'eau. Je me disais aussi. Ouais j'ai fait ça quoi. Le nulos. Oh le nulos! Ah d'accord, ah bien joué, oh là, ouais d'accord, ah il y a des mécaniques déjà hein. Lui on peut l'attaquer que de face, oh oui de la vie. Un checkpoint. Oh, tiens, tiens, tiens. Ah il commence déjà à y avoir des mécaniques et tout là, le gameplay évolue. Incroyable. Ah bah c'est, bah oui exactement. C'est quoi, c'est un soin incomplet. Ah d'accord, t'appuies sur haut et t'as un tuto, c'est incroyable. Et visiblement, c'est des plateformes différentes pour les deux dragons. Eh bah écoutez. À la bonne heure. Ah, une petite life là. Le nulos. Ah, et lui maintenant il nous tire dessus, non mais c'est dégueulasse. Oh le bâtard. Ok. Ah, j'ai appuyé. Ah mais ça c'est le problème des manettes. Le problème des manettes Xbox, tout ça, là j'ai pas l'habitude moi. Vous savez que je suis pas un joueur manette. Hop là. Aïe 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 aïe, terrible. Ça va, je suis pas mort. Ah mais ils sont vénères ces trucs là en fait. Est-ce que je peux jouer avec ça? Ah oui je peux jouer avec ça. C'est quand même le seul jeu où tu peux mourir après avoir validé la fin du niveau. Genre là si je vais trop à droite, je vais dans l'eau et je meurs, non? Mario peut laisser habiller. Bah rigolez pas, mais genre le tout premier Mario par exemple. Le tout premier Mario aurait été. Bah c'est ça. Mais après c'est des jeux rétro et indé hein. C'est le genre de truc auquel faudra s'attendre. Alors, en plus moi c'est complètement mon style de dans le style rétro, c'est plus mon style de jeu plutôt que les trucs genre Contra etc. Je pourrais jouer à un truc du genre Contra et tout après hein, si vous voulez, mais c'est vraiment beaucoup mon délire pour le coup. J'ai vu un piment rouge là, est-ce que ça va me donner un pouvoir? Déjà faudrait que je survive. Est-ce que le piment rouge c'est un piment genre plus fort? Un piment rouge plus OB. Ok, je fais juste une attaque plus forte. Marrant. Ok. Ça permet de faire des meilleures boules de feu si j'appuie sur O en même temps que je tire. Oh le ouf, oh le malade. Et ça paye. Ouais, je tue tout le monde en un coup, let's go. Peut-être pas tout le monde, mais lui au moins... Ah non, même... Bah non, du coup. Ok, c'est stylé quand même. Le gameplay évolue, il faut même retourner en arrière à la fois, c'est beau là. C'est pas juste toujours à droite... Pas toujours à droite. Alors on reprend la vie, merci beaucoup. Voyage. Est-ce que ça je peux le détruire? Non. Pratique hein, c'est super cette attaque là. Allez hop, ça gâche. Ah ouais, lui il faut vraiment beaucoup pour buter quoi. On va faire les méga attaques. Vous voyez, si vous avez... si ici vous êtes... Si vous avez moins de 20 ans ici... Bon allez, soyons encore plus méchants. Si vous avez moins de 18 ans, non. Si vous avez moins de 20 ans... Vous avez esquivé toute une période de jeu uniquement comme ça. Parce que ça, c'était vraiment typiquement les jeux vidéo que j'ai eu dans mon enfance. Hein. Typiquement, les plateformeurs, moi, ils ressemblaient à ça, quand j'étais petit. Et c'était le feu, hein. Je vais pas dire, ah, c'était horrible. Non, c'était le feu, hein, pour nous, à l'époque. Ah non, jure, un boss.
Faut viser la bonne tête. Oh, c'est bien joué. Excuse-moi, ce boss est meilleur que la moitié des boss de Mario minimum. Ce boss est mieux pensé que la moitié des boss de Mario. Après, il a été pensé après Mario, donc c'est simple. Ok, let's go. Mais attends, je peux sélectionner le rouge ou pas? On dirait pas. On dirait pas que je peux sélectionner le rouge. Mais en vrai, j'ai envie de continuer un peu le jeu. Il y a sympa. Bon, on fait ce monde-là et après, je testerai autre chose. J'ai encore les grosses lames? Oui, j'ai encore les grosses lames. Ah. Putain, mais il y a des mécaniques, hein. Et les ennemis, tu peux les toucher qu'à certaines frames et tout, ok, ok. Et super. Ok. Ah, c'est immédiat! Moi, je m'attendais un peu à ce que ça tombe après, tu vois. Mais du coup, oh, j'ai plus le pouvoir de la super flamme. Oh non. Oh, je suis Bezos. Oh, je suis baisé. Enfer. Je suis perdu. T'avais plus de vie. Ouais, j'avais plus de vie, mais... il m'est tombé dessus vachement vite, quoi. Ah oui, en fait, faut le trigger avant. Ah oui, faut le trigger avant, ok. Parce qu'il tombe vachement vite, quand même. Mais il casse-couille, celui-là, hein. Oh, ça suffit, hein. Je vais essayer de survivre. Oh, je l'ai pas vu. Ça va, après, ça me fait pas mal. Comment je vais en haut? J'ai vu. Ok, checkpoint. Ah, mais ça descend à une vitesse! Ah oui, ça vaut pas le coup, hein. Déjà le niveau de la neige, non mais c'est ça. Déjà le niveau de la neige, Oui bah, te moques pas de ma gueule, toi. C'est foutu ma gueule, celui-là. Oh vas-y, je m'en fous, hein, de ton piment. Ah, celui-là, non. Ah mais ça va trop vite, frère. Ça va trop vite, Ok, c'est bon. Parce que c'est ça, mais ça va glisser, ça. Allez, mais tombe! Ah, la foutre. Mais ça me gèle dans les airs, d'accord. C'est dur. Et exigeant le jeu en vrai, hein. Je suis à fond. Hein. Vraiment, je suis vraiment dedans comme si je jouais tout seul. Comme si j'étais pas du tout dans une OP ou quoi. Je suis vraiment dans le jeu. Le petit enfant en moi se réveille en mode « Donne-moi la manette, laisse-moi jouer. » Et du coup, je verrai jamais le boss. Oh merde, hein. Je speedrun. Oula, ça me demande beaucoup, là. Insupportable. Je l'enfonce. Pourquoi juste regarder un jeu de plateforme, ça me donne envie de créer des niveaux Mario Maker. J'avoue que j'ai régulièrement envie de créer des niveaux Mario Maker aussi, en ce moment, moi. J'ai pas le temps. Non! Salut mon pote. Terrible ce qui vient de se passer. Ah, j'ai envie de continuer, mais à montrer plus de types de jeux, ça serait sympa aussi, quoi. Ah, je speedrun le niveau, j'en ai rien à foutre. Okay. Ah, mais... Ah, je recommence là. Ah, je recommence là, quoi. Les mots sont durs.
Après, je peux sauvegarder et rejouer plus tard dans mon coin, quoi. Tu te fous encore de ma gueule, droit. Hein. Tu vas disparaître, toi. Je vais vite remettre une tête de cheval et tu vas rien comprendre. Hein. Quelle vie. Bon. Allez, voyons deux types de jeux, là. Alors, du coup, vous avez pas ma cam quand je suis pas en jeu. C'est relou, ça, un peu. Voyons deux types de jeux, là. Voyons deux types de jeux. Oh, les jeux de tir. Oh, les jeux de tir, ça, c'est les plus connus du style. Après, moi, j'étais à chier. Oh, vous voulez voir à quel point je suis nul dans les jeux de tir? Vous voulez voir à quel point je suis nul dans ce genre de jeu? En vrai, ça peut être extraordinaire. Est-ce qu'il y en a au moins un que je connais un peu? Il y a, j'en connais pas un seul. C'est un truc de fou. Jamais joué, hein, jamais vu, hein, mais même, ne serait-ce que vu, même genre une image sur le net, jamais vu un seul de ces jeux. Toujours dans l'esprit du plaisir. Merci à Bête du Talion. Ah, c'est incroyable, hein. Par contre, ce jour, ah ouais, celui-là, si je joue à celui-là, je serais peut-être le pire joueur du monde. Vous voulez me voir être le pire joueur du monde sur un jeu? Je peux vous offrir ça. Là, je serai le haché. Ah, ça, peut-être? Non, ça, je suis crevé. Ouais, c'est peut-être celui qui me donne le plus envie de jouer, celui-là. Un peu plus mon type de jeu, ce genre de truc. Pareil, un peu plus. Mouvement, select, start, onde et tirer. Onde et tirer. Ouais. Ouais. Pour la peine, j'ai une tête de cheval. Ah, c'est Team 17, incroyable. Ouais, j'ai pas le temps. Oh, par contre, je peux vraiment pas garder cette tête de cheval plus d'une seconde, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, c'est quoi ça? C'est un costume de super-héros? Ah ouais. C'est je sais pas quel type de super-héros, mais... Il doit pas être très respecté, hein. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que ces costumes-là, ils sont aléatoires. Genre, on en a des aléatoires, parce que les autres que j'avais vus, ils en avaient d'autres. Ils avaient d'autres types de petits avatars. Moi, ils avaient des aliens, ils avaient des trucs. Moi, j'ai pas ça. Je sais pas comment on en a d'autres, etc. J'imagine que c'est en fonction du tiers aussi d'abonnement qu'on a eu avant. Bon, un petit chargement là. Ah, ça doit être un jeu un peu plus gourmand que les précédents. En même temps, les précédents, en termes de gourmandise, c'était pas très bien placé. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est un peu long, hein, beaucoup. Peut-être pas choisi le meilleur jeu. Ah là. Captain N. Comment ça, c'était un N? C'était pas un Z? Alors, regardez, c'est un éclair. Je suis Flash. Regardez. Sinon, vous voulez que j'ai une tête de baril, peut-être? Une tête de baril? Par contre, le jeu, là... Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des jeux qui chargent jamais, ou... Est-ce qu'on le retente ou est-ce qu'on prend juste un autre? Ah, celui-là, je vous avais dit que je vais être à chier si j'y joue. Oula, il y a trop de boutons, là. C'est quoi tout ce... Prochain objet, latéral gauche. On passe un bon moment sur un style de jeu que j'adore. Après, faut que je mette une ROM, là. Faut que je teste la ROM. Faut que je teste ça, en vrai. Ça peut être sympa. Ah, ça y est! Je peux jouer au jeu. C'est ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous. Je peux jouer? Mon dieu, oh là là, oh les cinématiques à l'ancienne là. Oh les vibes là. Ah, je veux la voir, cette cinématique. C'est... Je suis au cinéma, là. Je suis au cinéma, hein. Il a aucun swag, hein, ce mec. C'est moi, ça? C'est mon héros? C'est mon personnage, ça? Aïe, aïe, aïe. Ah, des regrets. Ah, on a les héros qu'on mérite, hein. Très grave.
Elle bouge tout seul là. Waouh, l'immersion est folle. Ah, ça fait mal quand même de revoir des vieux jeux par rapport à aujourd'hui quand même. C'est là qu'on se rend compte la chance qu'on a aujourd'hui en termes de jeux vidéo quand même, au final. Ah, quand vous voyez ça, vous vous dites pas genre que finalement, Cyberpunk, c'est pas... Voilà, ça va. Cyberpunk, ça va. Il faut se dire que ça, ouais, c'était une dinguerie à l'époque. Hein. C'était des dingueries à l'époque, ouais, bon, c'est bon, je jouais, moi. Enfin, je jouais. Non, mais... Faut bien tester aussi. Je teste. Waouh, oh, le répondant. Ok. Skill, easy, ouais, ouais, ouais. Ouais, je te plais, ouais. Je veux bien que ce soit easy, ouais. New game. Ah, donc là, c'était l'intro avant de jouer. Newsflash! A man has fallen the river in Lego City! Hey! C'est vraiment ce qu'il avait écrit, hein, je suis sûr. Oh, j'en ai la foutre l'histoire. Ok. I avoid the radar. Ah ouais. Ok. C'est énorme. C'est énorme. C'est absolument incroyable. La musique est incroyable. Non, il m'a vu. Il tire dessus. Ah, c'est... En vrai, c'est extraordinaire. On est dans l'ambiance directement. Hein. On est directement dans l'ambiance. Oh mon dieu, oh. Oh là là, c'est dur. Quoi? Hein? Pourquoi il y avait un bruit de singe? Oh mon dieu. J'ai un parachute. Oh aïe aïe aïe. Oh, regardez, c'est des beats. Je tire des beats de Twitch. Donnez des beats. C'est vraiment des beats. Incroyable. Ok. Ah, j'ai déjà opti, j'ai déjà trouvé un bonus. Oh, le motion sickness. Oh là là. Ça va, vous? J'ai gagné. Oh là là, je suis bien là. Ah ouais. On voyage, hein. On voyage. Oh mon dieu. Oh, j'ai envie de gerber. Oh là là. Comment j'utilise la onde? Très bien joué de ma part, ça. Ah. Ouais. Ouais, c'est pris, ouais. Mon dieu. Ah, c'est extraordinaire. Oh, c'est... C'est énorme. C'est énorme, ce qu'on dit. Ah, ça, c'est du jeu... Ça, c'est du jeu vidéo, comme à l'époque. Practice Room. Ah, c'était... Oui, j'ai compris. Oh, j'ai compris, mais j'ai envie de vomir. On va pas jouer longtemps celui-là. On va mentir. Shoot targets using sniper mode. Alors. Define sniper mode déjà. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette animation? C'est horrible. J'ai plus jamais vu ça. Vous avez vu que je serais haché ou pas?
You can zoom. Zoom? Attends, mais... Comment je pensais? Mais oui, mais voilà, voilà, c'est mieux. Oh mon dieu. Ouais, je t'ai vu, ouais. Voilà, vous voyez quand je vous dis que c'était pas mon type de jeu, hein. Je rigolais pas, les gars. J'ai dit que c'était pas mon type de jeu, j'avais raison, hein. Ah. Hand grenade. Très bien joué de ma part. Ah merci, merci beaucoup mec. Merci. Oui bah oui bah, bah j'avais compris. Voilà, bien joué. Mais c'est horrible. Je veux juste passer tout le jeu dans ce mode là moi. Je comprends rien. Je comprends rien à la maniabilité de ce jeu. Oh. Oh, oh c'est horrible. On va... Sondage, est-ce qu'on change de jeu? Réponse, oui. Oh, mais c'est incontrôlable, hein. Et c'était certainement incontrôlable à l'époque, cela dit. Sachez que je sais ce qu'il faut... Je sais ce qu'il faut que je fasse, hein. Je sais ce qu'il va faire, hein. J'en ai conscience, hein. Après, est-ce que je vous avais pas prévenu que je serais à chier? Ah, voilà, bravo! Ok, oui, oui, j'arrive. Bah, je crois qu'il faut que je tire à la... là, là, alors. Visiblement. Visiblement. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'on va changer de jeu après, non? À quoi ça sert de les shoot eux? Et ça ne fait rien? The fuck? Merci, hein. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah non, mais vu le potentiel de gerbouze qu'on a eu là, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Hein. Luna dit à JDG que tu vas trouver un nouveau jeu. Ah bah je pense qu'il y a un gros potentiel, effectivement. Oh là là. Quelle vie. Attendez. Bon, un type de jeu qui peut être plus sympa. En vrai, après, je veux vraiment tester ça. Je pense qu'on teste un dernier truc et après, je teste un truc. En vrai, j'ai envie de tester genre un jeu de Game Boy, là. Il y avait quoi qui était trop bien sur Game Boy Advance qui pourrait être vraiment cool? Alors, on va éviter les jeux Nintendo. On va éviter les jeux Nintendo et les jeux... Je sais plus quel type de jeu. Nintendo et Capcom, je crois. Sega, on peut, mais Nintendo, on va éviter, malheureusement. Parce que Nintendo, j'en ai une pléthore, hein, vraiment. Prehistoric Man, qu'est-ce que... Ah oui, dans les jeux indés, là. Dans les jeux indés, il y a des trucs qui avaient l'air vraiment très sympas, aussi. Tac. Je vous parle pas dans le catalogue de Pie Packer, je vous parle de manière générale. Parce que là, Ring Endgame, justement, là, ce qu'on va utiliser après, là... Ça, et ce que vous pouvez avoir pour 2 mois gratuits grâce à mon code, Pie1234. Là, si j'ai une ROM de Master System, de NES, de Game Boy, de quoi que ce soit, et bah je peux directement les mettre sur le site, et on pourra y jouer directement. Et je pourrais même jouer en multi avec des gens dessus. Ça, malheureusement, je pourrais pas vous le montrer comme j'ai pas d'amis. Voilà, c'est la vie. Mais c'est réel. Attendez, indépendant. On a vu des trucs sympas tout à l'heure en indépendant. Winch & Wiz, c'est un jeu de puzzle. Ça peut être intéressant, mais... Soit il y avait soit celui-là qui avait l'air sympa, soit lequel. Yazi a l'air mignon aussi comme jeu. Ça a l'air mimes. Complètement dingue, merci les Kenzo. Pour tier 3.
Advance Wars, c'est Nintendo, bah, je crois. Hein. Ouais, on va voir. Ouais, je teste très bien. Je sais qu'il y avait Rayman sur Game Boy. Est-ce qu'il était bien sur Game Boy Advance, Rayman? En vrai, testons celui-là. Hein. Celui-là, il m'intéresse, il a l'air sympa. Ah oui, oh bah, niveau... Niveau, comment ça s'appelle? Au niveau des touches, on est plutôt easy. Ça devrait pas être compliqué. Allez, on joue direct. Oh, let's go. Et on peut voler. Oh, ouais. Oh, le jeu. Oh, mais la physique est cool en plus. Oh, le jeu a l'air cool. Oh, let's go. Bah, let's go. En vrai, il a l'air sympa. Oh, le bâtard. Stylé. C'est Luke à la Megaman. C'est Luke à la Megaman, ça c'est pas mal. Megaman, mais sauf que t'es pas Megaman. Stylé. Mega Goose, finalement. Oh, c'est cool. Il y a vraiment qu'un bouton, quoi. C'est sauter. C'est incroyable. Et le gameplay est vraiment basé que là-dessus. Stylé. Hop là. Merde. C'est où? Ah, c'est un peu plus exigeant que ça en avait l'air. Ok. Joue un boss. Attends. C'est quoi ça là-bas, là? Non. Pas mourir. Juste, je pouvais accélérer tout à l'heure. Ah, c'est juste un bonus. Un bonus qui sert à rien pour les points plus tard. Ça, c'était vraiment le système d'avant. Avant, on voulait gagner des points dans les jeux. Non, je m'en fous les points, hein, on va pas se mentir. Hein. Je sauvegarde. Tu manges des œufs pour gagner de la vie, visiblement. Un boss? Non, juste il bouge. C'est juste un ennemi normal mais qui bouge. Je suis vraiment fait toucher par ça? C'est terrible. Je veux gagner de la vie. Ah, un duel ennemi. Ah, ça va, le jeu... Le jeu a une seule mécanique, mais... Ça s'exploite bien, hein. Oh, y'a un giga off là. Je le giga off. Je peux pas l'avoir. Oh, ils sont de retour, merde. Oh, le bâtard. Je veux le giga off. Ah. Je pensais que ça allait augmenter mon maximum de vie. Je suis dégosse. Je suis vraiment nul, hein. Je suis un nulos. C'est terrible. Ça glisse pas mal, cela dit, au niveau des mouvements, ça glisse pas mal. Il y a des fois ça va bien à gauche, bien à droite, des fois c'est un tout petit peu, c'est... Mais ça va. Non. Il m'a forcé à sortir. Battery. Est-ce qu'il va y avoir un boss? Je suis vraiment débile.
En bas. Ah. Ça ne change rien. Les bâtards, ils ont mis des piques en haut. Ah, ça est dur en vrai. Ah, le jeu devient grave exigeant déjà. Incroyable. Si on revient à l'off. Non, dommage. Ah, le jeu est tellement exigeant en vrai. Ça dégage. Oula. Tu fais quoi lui? Pas eu le temps de voir. Ok. J'ai compris. Ah mais il bouge aussi sur le côté. Non mais vas-y là. Tricheur. Tricheur. Mais c'est l'enfer là. Je mourrai. Après ça va. Il n'y a pas de système de vie ou quoi, juste tu vis ta life quoi. À quoi ils servent ces trucs là, on ne saura jamais. Faut garder hein. Je peux plus. Terrible. Est-ce que je peux aller en bas? Ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de refaire ce que t'as déjà fait quand même. C'est cool. Je pourrais apprendre à bien jouer quoi. Bon, enfin. En essayant à tout prix d'aller vite, du coup je vais perdre quoi. Mais oui, mais ils tirent en haut, connard. Ils sont cette salle est. En vrai, cette salle est grave dure. Je me concentre, je me focus. Je me focus. Retro gaming, on est en plein dedans là. Ah, je suis trop con. Mais putain, je suis. Quoi, mais ils reviennent? C'est honteux. Oh la salle, au secours. Ok. Aïe 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 aïe. Oh, ça se passe très mal. Il tire au travers des murs en plus, ce bâtard. Oh, ça se passe très mal. Oh merci. Ok, ça va. J'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur. L'erreur m'est permise. Pas mal ça, pas mal, pas mal. Un peu moins pas mal cette salle. C'est quoi cette idée de con? C'est quoi cette idée de con de mettre autant de d'ennemis au même endroit? Qu'est-ce que c'est que cette idée de con? Ah la foutre. Dégage. Je sais pas combien de temps je joue à ce jeu, mais tant que ça m'a pas saoulé, je continue un peu, moi. C'est le nouveau JDG. Arrêtez un peu avec JDG, laissez tranquille. Oula, oula, cette salle. Cette salle, elle régale. Voilà. Juste prendre un peu son temps des fois. Je veux que ça s'épite trop.
Merci. Je fous le like, let's go. Easy. Ça va en vrai. Ah, il faut que j'ai dessus, j'avais pas vu. Pas de boss? Bah j'attends là. J'attends qu'il y ait un boss. Enfin, bon. Enfin, ça se trouve, il y aura effectivement jamais de boss. Alors peut-être. Visiblement toujours pas. Peut-être. Quoi? Ah ouais. L'angoisse de l'ennemi, quoi. Ah, l'angoisse, faut attendre qu'il est... Oh là là. Tant pis pour lui. On a vu tellement d'ennemis différents en si peu de temps, déjà, ouais. Très étonnant pour un joueur à 3. Angoisse de la salle. Merci. Oh, j'ai pas pris l'œuf. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur que j'ai faite. Allez, hop, ça dégage. Il faut que je débute. On y va. Moi je suis en kiff. Ah ouais, mais... En vrai, ce jeu-là est vraiment pas mal. C'est certainement l'un des meilleurs de ceux qu'on a testé. Et c'est celui avec la mécanique la plus simple. Hein. Je trouve que c'est l'un des meilleurs auxquels on a joué. Faut passer en bas ou pas? Oh. Alors peut-être un secret? Je suis en train... Est-ce que je suis en train de skip un niveau entier, là? Est-ce que je suis en train de skip un niveau entier, what the fuck? Attends. Non, vraiment? Ah, ce serait énorme. La musique est sympa, là, ouais. What the fuck? Vraiment en train de skip un niveau, là? Bon, on sait pas ce que j'ai skippé, mais Ah, c'est vraiment pour un bonus, quoi. Et on sait toujours pas à quoi sert ce truc, hein. On sait toujours pas à quoi sert ce truc. Du coup, là, je dois tout refaire juste parce que j'ai eu un bonus. Ah, non, ça va. Ils ont pensé à faire une espèce de fast trap pour revenir. Je suis vraiment étonné à quel point le truc est sympa. C'est vraiment les passages secrets à l'ancienne, là. Bâtard. C'est vraiment les passages secrets à l'ancienne, ça me tue. Elle est dure, cette salle. Pour pas se faire toucher du tout, c'est dur, là. Ça va. Franchement, il manque juste un power-up, là. Et donc? Attends, frérot. Mais... Je suis censé tous débuter, mais je peux pas. On peut pas tous débuter, vu qu'ils se génèrent. Ah si, d'accord. On peut pas? Bah si. On peut littéralement. Les bâtards. Ah, c'est bien avancé, hein. La courbe de progression est pas mal aussi, là, hein, en vrai.
Je sais pas si par jeu indépendant on parle de jeu indépendant rétro ou de jeu indépendant de style rétro, genre si ce jeu a été quand même fait récemment. Mais s'il a été fait dans le passé, il est vraiment ultra stylé. Et s'il a été fait récemment, la vibe rétro est super bien retranscrite. On est vraiment sur une giga bonne qualité. Voilà. Toujours dans l'esprit plaisir. Ah, c'est beaucoup. Ah, c'est Coastwing. Merde. Je voulais pas passer pour rouleau. L'angoisse de ces ennemis-là. Ah, c'est pas en bas, hein. Il me semble qu'il y a de l'époque. Ah ouais? Je vais full gauche. Ah voilà. Je me doutais bien qu'il fallait aller full en bas hein, pour pouvoir profiter. Attends, on n'a pas déjà fait cette salle? Merde. Hein. Mais quoi? Ah non, là par contre c'est très grave. Là. On n'avait pas déjà fait cette salle. La phase est parfaite. Let's go. Ok, eh hey, franchement je me débrouille bien hein. Ah j'ai cru qu'il y avait un boss mais... On change juste de biome. Et ça ressemble un peu à un boss du coup. Non, les ambiances sont stylées, hein, vraiment. C'est quoi, c'est un espèce de boss rush, là ? C'est vrai. Franchement, j'aime vraiment beaucoup le jeu pour le moment. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus si on peut voir là. Deux secondes, tac. Est-ce qu'on peut revoir déjà? Je sais plus. Space Goals, voilà. Space Goals 2021, donc c'est vraiment un nouveau jeu. C'est vraiment un nouveau jeu en style rétro et ça marche trop bien en vrai. Ça marche trop bien. Hein. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu d'époque. Hein. Sauf qu'il est vraiment très ingénieux et vraiment bien foutu aussi. Hein. Vraiment, vraiment bien foutu. Hein. Est-ce qu'il est en multi? J'imagine que oui, parce qu'on peut... J'avais vu qu'on pouvait avoir une deuxième... un deuxième oiseau tout à l'heure, donc je pense que oui. Les ennemis sont bien pensés, ils sont bien en l'eau. Ah merde, j'ai pas eu la bonne phase. Oh là là. Voilà. Ouh le chaos. Le plus chiant d'abord. Ça va être quasi impossible. Ah la vie de con. Ok. Le placement est horrible.
Le placement des ennemis est horrible. C'est vrai qu'ils se replacent en plus, ces bâtards. Pris l'offre, je sais pas bon quoi. Est-ce qu'on a le premier boss? Oh oui! Bah voilà! C'est bien, on aura une autre boss. Oh, dur par contre le boss. Dur le boss en vrai. Waouh. Ok. Ok, ok. Stylé. C'est ceux qui viennent de leur joindre. Tiens, je crois que je me débrouille très très bien là. J'ai trouvé une bonne phase là. Let's go. Allez. Stylé. Ah mais j'ai gagné du coup. Ok. Ouais, c'était un court petit jeu. Très sympa. Bon, j'imagine qu'il y a quelques secrets que j'ai pas fait. Trop sympa. Bah c'était bien cool. Let's go. Bah j'ai bien aimé ce jeu, hein, vraiment. Pour le coup, vraiment sympa. On rappelle, Space Ghouls. Découvrir la page de Morphcat. Ouais, allez la découvrir vous-même. Mais écoutez, c'était bien sympa. Hein. Bien sympa ce petit jeu-là. Tac. Ça m'a donné soif. Hein. Me donner soif, cette histoire. Attends, la seconde. Tac. Juste hop. J'arrive, je suis à vous dans un instant. Hop. Je suis de retour. On est de retour sur le plateau. Tac, je me remets là. Je me remets là en attendant. Alors. Ils ont fait le jeu en une semaine. Quoi? En une seule semaine? Ah, c'était en Game Jam alors. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est bien stylé, hein. Imaginez avec plus de temps, quoi. Tral, hein. Bon. Alors. Avec tout ça, nous, mesdames et messieurs, dames. On avait dit, du coup, on allait tester la petite... La petite particularité du Bring Your Own Game, le BYOG, qui permet, là, actuellement, vous pouvez l'avoir si vous utilisez le code PAI123UNATIC dans vos paramètres. Pour débloquer ça, vous aurez le droit pendant 2 mois de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'avais testé... J'ai Secret of Mana, là, actuellement, par exemple. Je l'ai. Là, si je vais sur Super NES, et que je mets ma ROM, je l'avais, elle était là. Elle était dans le coin, là. Je ramène ma petite ROM de Secret of Mana, là, je la mets là. Tac. Et normalement, là, logiquement, c'est censé marcher. Et regardez, je pourrais jouer à 4, là. Je pourrais, genre, entrer dans la salle, là, tac. Par contre, du coup, je vais mettre ma caméra. En fait, je vais juste mettre ma caméra là. Tout simplement. Bonsoir à tous. Et là, si je voulais, je pourrais vraiment, genre, prendre ce code, là. Vous voyez ce code, ici? Je pourrais prendre ce code, ici. Et l'envoyer à un pote, et il pourrait jouer avec moi à Secret of Mana. Et même comme j'avais joué tout à l'heure pour tester un peu, regardez. Est-ce que je souhaite reprendre ma progression? Oui. Et bim, j'étais là. Vous avez vu? En vrai, c'est stylé. C'est stylé de pouvoir faire ça. Et là, je pourrais jouer en multiplayer avec quelqu'un. J'ai pas d'amis.
J'ai juste pas d'amis. Hélas. Oui, j'ai mis Jules pour, voilà. Mais, voilà. Là, je peux jouer à Secret of Mana. Bon, j'ai pas particulièrement envie de jouer à Secret of Mana. On va chercher un autre jeu auquel je pourrais jouer. On va chercher un autre jeu auquel je pourrais jouer. Mais au moins, on va laisser la musique de Secret of Mana en attendant. C'est sympa. Quel jeu, sachant que je peux jouer entre Game... Je pense que je vais aller chercher dans la Game Boy Advance. Parce que dans la Game Boy Advance, il y a pas mal de jeux stylés. Malheureusement, on va éviter les jeux Nintendo pour le moment. Il faut savoir que Pipacker aura peut-être bientôt, peut-être, on espère pour eux, des jeux Nintendo, c'est pas sûr, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a de sympathique hors Nintendo ? Il n'y a pas un Rayman sur Nintendo ? Parce que moi, je sais que j'aime beaucoup Rayman. Je sais que Rayman, ça me chaufferait de fou. J'avais testé WarioWare, ça marchait très bien. Parce que bon, je veux dire, je veux juste pas le montrer en stream, mais vous pouvez le faire chez vous. Je le montre juste pas en stream, mais ça marche. Non. Medabots. Attendez. Non, mais les gars, non. L'histoire de jeu est beaucoup trop forte. Medabots, Metabi, Europe. Oh non, mais les gars, c'est pas... Il faut que je vous montre ça. Il faut que je vous montre ça à tout prix. D'accord. Ah, mais non, non, je vais pas vous montrer ça. Non, je vais pas vous montrer ça. Je viens de retrouver une cartouche de Medabots, là, dans mes ROM que j'avais sur mon ordinateur, là. C'est extraordinaire. Non mais en vrai, Medabots, en plus, on va rien comprendre, non, si je joue à Medabots. Mais moi, je vais rien comprendre. Mais moi, je vais rien comprendre, je crois. Il y avait un Puyo Pop sur GBA ? Attends, là. Il y avait un Puyo sur GBA ? Je peux pas chercher, genre... Attends, Puyo... GBA... Je vais regarder vite fait là. C'est vrai que s'il y a un Puyo sur GBA, ça peut être stylé. Puyo Pop Fever sur Game Boy Advance. Ah, il était sur Game Boy Advance? Non. Vraiment? Incroyable. Attendez, je vais chercher ça. Parce que je crois que je l'ai dans ma librairie que j'ai à moi, qui m'appartient vraiment. Puyo Pop Fever. Ouais, parce que Puyo Pop Fever là. Ah ouais, il existe sur GBA? Non. Ah ouais. Bah, c'est parti. Je vais vous faire découvrir mon tout premier Puyo Pop. Je viens de le retrouver, hein, c'est énorme. Je viens de le retrouver, c'est extraordinaire ce qui se passe. J'espère qu'il marche encore, qu'il a pas trop pris la poussière. J'espère qu'il a pas trop pris la poussière, mon vieux Puyo. Alors attendez, on va se remettre sur la scène de gaming. Tac, on va se mettre sur la scène gaming, hop. Je vais vous montrer, hein, c'est vraiment simple, hein. J'ai retrouvé ma vieille cartouche en ROM. Bien sûr, on vous invite à les avoir légalement, hein, vos ROM. Puyo Pop Fever, regardez, je l'ai, là, il est là. Je le glisse, mais vraiment, c'est dingue, hein. On est là, on glisse, et bim, quoi. Ouais, c'est insane. Ouais, c'est vraiment cool. Il m'explique même ce que je peux faire, quoi, c'est fou. Bon, apparemment... Ah, mais apparemment, c'était un jeu vraiment solo. On pouvait même pas y jouer à plusieurs, celui-là. Je pourrais même pas jouer avec des potes, là. Il existe en français, non? C'est pas vrai. Énorme, en vrai, qu'il existe en français. Incroyable. Faut savoir que ce jeu, j'ai découvert l'essence de Puyo avec Puyo Pop Fever, mais sur GameCube, moi. Donc, c'était pas la même chose. Pas la même... Il y a un downgrade graphique, on va pas se mentir, mais... Mais voilà, ça, faut vous imaginer, c'était sur Game Boy Advance, donc c'était sur un écran équivalent comme ça, donc c'était assez stylé. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, forcément. Oh mon dieu. Ah, mais c'est incroyable. Putain, les vibes. Je vais rejouer à Puyo Pop Fever. Après avoir compris les règles, je joue à ce parcours intermédiaire. Oh vas-y, venez. Venez, je me fais un petit parcours. Ah là là là. C'est un parcours difficile. En vrai, je vais peut-être pas y arriver. Mais je veux quand même tester. Ça, c'était de mauvais goût. Comment a-t-on pu laisser gagner cette peste d'amitié? Mais les dames que nous sommes savent garder leur sang-froid. On n'est pas des putains franges. Nous sommes bien élevés. Attention, amitié. Moi, raffiné, saurais te rendre la vie dure. Oh la tita. Parce qu'elle dit ça, hein, je sais pas pourquoi.
Incroyable. Putain, mais il y a vraiment... Oh, il y a un scénar et tout, putain, énorme. Qu'est-ce qu'il en pense, Jamy? Énorme. Quoi, mais qui a dit ça? C'est moi, Jamy. Alors... Oh là là, oh là là, oh les vibes. Oh, ça... oh par contre, oh, les contrôles pour moi, ça va être compliqué avec la manette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Puyo Puyo Fever, bienvenue. Voilà. C'est un puzzle... c'est un grosso modo, c'est un jeu de puzzle. Et si on met 4 Puyo de la même couleur, bam, on fait les dingueries. Donc là, je suis clairement en train de le tartiner, hein, pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu. C'est une tartinerie en règle. Il est pas mort déjà? Bon, attends. Il faut beaucoup de chaînes pour le buter, là. Mais il va rentrer en mode Fever après le bâtard. Mais oui, parce qu'il y a une jauge de Fever dans Puyo Puyo Fever. Ah non, c'est bon, il est mort. Oh, les vibes! Oh, les vibes pour moi, là. Mais c'est bien parce que je peux jouer aussi avec la petite croix directionnelle, là. Donc c'est ok. Oh, c'est beau. Puyo Puyo Fever, quoi. Ouais, et ça va déjà plus vite. Oh, c'est incroyable. Alors en fait, si je me souviens bien, le système, c'est grosso modo, quand t'as quand le mec contre ce que tu lui as balancé dans la gueule, ça augmente le temps de ta fever. Et quand tu te prends des trucs dans la gueule, et que tu les contre, là regardez, ça va augmenter ma jauge de fever. Là je lui fais augmenter son temps de fever, mais j'ai augmenté ma jauge de fever. C'est un bordel. Voilà, il est déjà en fever. Donc là, il va m'envoyer des trucs en folie. Hop là! Moi aussi, je vais rentrer en fever, c'est parti. Bravo. Bien rentrer en fever, là. Voilà, là, c'est bon, je suis rentré en fever. Là, je vais l'enculer, hein. Voilà, foutre. Oh, les vibes d'avant, là! Hop là. Nice shot! Il va prendre, hein. il va prendre très 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 cher le bug. Voilà, il va prendre très très cher le bug, c'est terminé pour lui. Let's go! Allez, ça qui aime bien son boule. Putain, ils sont déjà tellement durs! Les doigts là-bas! Rien à foutre. Mais putain, ils sont déjà tellement durs là-bas, les mecs! C'est tellement pas habituel. Oh, j'ai 4 couleurs. J'ai 4 couleurs, let's go. Oh, ah ouais, c'était... C'est vrai que le mode hardcore, il était vraiment hardcore, quoi. Ah, le mode hard était vraiment dur, quoi. C'est incroyable. Ok. C'est vrai que ça mettait moins le... Comment dire, ça mettait moins l'impression pour faire des grosses combos plutôt que pour avoir une fever, hein. Ils voulaient mieux avoir une fever dans leur délire. Incroyable. C'était plus en mode, ouais, la fever, c'est vraiment la vie d'avoir la fièvre. Indeed. Allez, on va nique ta race, c'est bon, tu m'as saoulé. François, dans la gueule, quoi. Oh là, qu'est-ce que j'aime ce jeu, putain. Oh, j'ai tellement heureux de rejouer à ça. Et allez, en plus, ça prend une fever, allez, c'est parti. Par contre, il y a une fusion d'enculé à côté. Hein. En vrai, je sais pas. Faut vraiment que je gagne. Aïe. S'il te plaît. Oui, du temps. Let's go. Allez, je l'ai même niqué dans sa propre fusion. Je crois que le combat final, je vais jamais le passer. Hein. C'est étrange. Allez hop, dégage. Je crois que le combat final, je vais jamais le passer. Hein. Ah, ce personnage qu'on voit dans nulle part ailleurs que Puyo Puyo Fever, parce qu'il pue la merde. Ah non, il y a chier.
Ta gueule toi, allez, bim. Moi aussi je me build un peu de fever là. En te balançant un bon gros truc dans la gueule. Mais il construit des belles chaînes quand même à côté de l'autre bâtard là. Tiens, tiens, tiens. Allez, vas-y. Vas-y, 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 fais le malin. Tu fais le malin, tombe dans le ravin, comme on dit. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, voilà, je te fais une fever, mon pote. Tu vas la prendre, la fever. It's time to fever. Petite fever de 27 secondes, là, t'es mort. Hein. Je te le dis, t'as intérêt à survivre. Hein. T'as intérêt à survivre, la fever, mon pote. Hop là, ça vient. Hop là, allez hop. T'es à droite ou à gauche? Bah je suis à gauche. Je fous la gauche depuis tout à l'heure. Les voix compressées, bah c'est les... C'est les voix de la Game Boy Advance, les gars. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça spam là. Oh. Je peux... Ça va trop vite pour moi. Ça va trop vite. Ça allait trop vite pour moi. À un moment il m'a balancé un gros truc, j'ai pas compris. Hop là. Ah je vous l'ai dit, hein, ça va être compliqué pour moi vers la fin. Parce que ça va très vite et il y a 4 couleurs, j'ai pas l'habitude de jouer à 4 couleurs. Faut savoir que Puyo ça joue plus à 3 couleurs qu'à 4 couleurs. Ouais. Mais il spam comme un connard, il est insupportable. Là il fait plus rien, comme par hasard. En fait il compte sur la fever lui, ça se voit qu'il build totalement sa fever. Ouais, ça se voit. Là ça peut avoir mon pote. Tu build ta fever, c'est pas grave. Moi j'aurais une fever beaucoup plus vénère que la tienne. Je gagnerai là-dessus. Oh, tu sais, ça balance là. Oh, le bâtard. Vas-y, 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 t'attends. Oh, tiens. Bâtard. J'en ai rien à foutre. Hop, regarde ce que tu prends dans la gueule derrière. Hop là. En plus, il faut savoir que plus le combat dure, plus ce qu'on envoie dans la gueule de l'adversaire est ultra vénère. Donc là, peu importe ce qu'il va prendre, il va prendre du gâchet. Hein. Là, ça va lui faire très très mal, ça déjà. J'ai gagné. Ok. On s'en taille pour voir. Voilà. C'est bon, c'est facile. Ou j'ai pas... Ah, je sais pas qui est mon adversaire, mais on verra bien. Oh non, me dis pas qu'il y a 5 couleurs. Il y a 5 couleurs, ils sont sérieux. Oh mon dieu. Ok. Je suis là, je suis complètement là. Oh là là. Oh l'angoisse, j'ai 5 couleurs! Et lui, il en a que 4! Allez, Taras, va. Oh, oui, ça va suffire? Ça va être compliqué. À 5 couleurs, ça va être très dur, hein, 5 couleurs.
5 couleurs, ça va être très très dur. Je vais donner ce que je peux, mais j'ai tellement pas l'habitude de jouer avec autant de couleurs. Oh mon dieu. Mais déjà, rien que là, quand j'ai les... Oh là là. Oh, c'est un délire. Hein. Oh, et puis, oh, l'ennemi est insupportable en plus. Il me donne envie de me flinguer. Je suis mort. Je peux pas survivre à ça. Ah, c'est tellement dur. En fait, il faut que je build ma fever contre lui. Faut absolument que je fasse de la fever contre lui, mais c'est compliqué. En fait, le fait que je sois 5 couleurs et lui 4, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour lui de construire quoi que ce soit. Hein. Ou alors j'essaie de lui balancer les trucs dans la gueule. Mais regardez! Il construit tellement plus facilement que moi, forcément! Faut que je le batte sur la fever. Faut que je le batte vraiment sur la fever. Shadow! Il est insupportable ce personnage. Ouais, me donne surtout pas la couleur dont j'ai besoin pour ma fever, t'inquiète. T'inquiète mec, j'ai pas besoin de jaune. C'est abusé! Il m'a rien donné. Tellement dur avec 5 couleurs, putain quel vent, quel enfer! Heureusement que je suis fort, hein. Heureusement que je me démerde, hein. Heureusement que je me démerde, merci beaucoup Jean Bomber pour les 16 mois. Aïe aïe aïe! Ah ouais, je me rappelle que c'était bien comme ça. Oh tiens, mademoiselle Raffine! Aïe aïe aïe, alors elle va me défoncer ma race. Ça va aller vite et je vais avoir 5 couleurs. Ce que je voulais. Ce que je voulais faire à la base, hein, comme ça va. Toujours dans l'esprit plaisir. Allez, c'est parti pour une fever là. Merci beaucoup, Grivors. Ah, 6 couleurs, c'est parti. Couleurs, c'est pas possible normalement, mais je suis sûr qu'ils sont capables d'innover. Merci beaucoup pour le raid, TPK, des bisous. On est en plein OP sur un délire. En vrai, ça pourrait te plaire, il y a des vieux jeux de combat là. Tu peux jouer en multi, il y a des bons délires. Merci beaucoup, TPK, des gros bisous. Oh, je vais me faire ouvrir le cul, c'est terminé. Je vais me faire ouvrir le cul. Ok, il faut vraiment que je prépare des dingueries. Merde, je pensais que j'étais mort. C'est bon là? Allez, à moi. Je suis mort. Putain, j'ai pas eu les bonnes couleurs. C'est
trop dur, hein. Vraiment, 5 couleurs contre 4, c'est vraiment dégueulasse. 5 couleurs contre 4, c'est vraiment dégueulasse. Et puis en plus, l'IA de ce truc est vraiment pas dégueu, hein. L'IA de ce personnage est vraiment loin d'être dégueulasse. Pourquoi je fais ça? J'ai tout gâché. Non. Non mais c'est... Je peux juste recommencer, s'il vous plaît? Tellement dur. Et derrière elle, il y a un personnage encore plus dur à battre. Derrière elle, il y a un personnage encore plus chaud à battre. Merci, hein. Merci d'avoir niqué absolument tous mes rêves. Mais c'est Akibi et sa Fever en plus! Mais c'est un scandale! Elle est trop forte. Elle a les meilleurs timings. C'est un scandale, ce perso est trop bon. Cette IA est trop intelligente. L'IA est trop intelligente, genre. Elle lance ses combos pile quand il faut, en plus, cette saloperie. Oh là, l'IA était insane, je me souvenais pas qu'elle était si forte que ça. Hein. Je savais qu'elle était forte, mais alors à ce point-là, là... Oh là là... Oh là, donc, je peux rien faire. Hein. Elle m'empêche de faire mes combos dès que je peux les lancer, enfin c'est... Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais, si en plus je suis à chier. Hein. Bah ta race. Hein. Pas mieux que ça, déjà. Voilà. Comment ça parlait mieux. Regardez l'autre, elle build sa fever à l'infini. C'est injouable. Elle est pas jouable. Bien sûr, elle me lance rien dans la gueule, cette salope. Hein. Vous avez vu? Merde, j'ai pas vu. Vous avez vu cette saloperie, comment elle balance rien? Elle est trop intelligente, elle l'attend, je lui balance des trucs pour build sa fever. Elle est trop forte. Elle est vraiment trop forte. C'est insupportable. Elle joue pour te nerfer. Et comme en plus j'ai des pouillots de 14 000 mètres, impossible de build des vrais combos. Hein. C'est incombotissable. Allez, vas-y, nique ta mère. Mange tes grands morts. Vas-y, déguste-les bien, tes morts. Ça va même pas la buter, j'en ai rien à foutre. Hein. Allez, qui c'est qui bide la fever maintenant? Vas-y, balance des trucs. Voilà. C'est moi qui bide la fever maintenant, j'en ai rien à foutre. Vas-y, t'inquiète. T'inquiète, y'a R. Mmh. Voilà. À moi la fever, mon pote. À la foutre. Je vais te faire avaler tout ça, moi. Rends-moi les bonnes couleurs. Oh, le futur banger, là. Il a dit quoi? Allez, dis-moi que c'est le bon. Blé! Blé! Voilà! Et dernier fight, là, normalement, contre le chat. Si j'ai pas de conneries, et lui, il est invincible. Hein. Je crois qu'il me faut une chatte démentielle pour le battre, lui, hein, pour le coup. Ah non, c'est pas le chat. Ah bah oui, je vous l'ai dit. C'est celui qui fait popo, popo, celui qui fait pipi. Sauf que là, bah, il fait pas pipi, il fait pire. Il fait tadada en...
en français, je sais pas pourquoi. Mais il est invincible, hein, il est invincible, lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon? Allô? Qu'est-ce que j'ai branlé? Le gars, il est en 4 couleurs, la chatte qu'il a! La chatte qu'il a d'être en 4 couleurs, hein. C'est vraiment dégueulasse. Il est en 4 couleurs, il a une IA de baiser. Il est en 4 couleurs, il a une IA de baiser, alors que moi, je suis en 5 couleurs, et je suis moi, quoi, je suis humain. Et l'autre, immortel, dès le petit déjeuner. Harcèlement au travail. Oui, je suis à chier en plus. Je suis en train de lui build une fever d'enfoiré en plus. C'est terrible ce que je vis. Merci. Oh, j'avais vraiment besoin de ça là. Oh, merci. Ok. Parfait. J'ai juste gagné ma fever là. Parce qu'à mon avis, c'est tout ce qu'il me faut pour gagner, c'est une fever. Je me suis trompé de touche. C'est terrible ça. C'est terrible quand tu peux gagner et que tu te trompes de touche là. Mais c'est la dure vie que j'ai choisie. Je veux le terminer. Ouais, je l'ai battu, après on n'y pense plus, mais je veux le terminer. J'ai une haine envers ce perso, je suis obligé. Merci beaucoup mec. Merci mec. Parfait. Build ma figure, j'en ai rien à foutre. Mais putain, des fois je vais trop à droite ou trop à gauche, comme la France. Mais souvent c'est trop à droite en France. Allô? Oh, il va build sa fever, putain, j'ai la haine. Vas-y, hein, crash sur tous mes ancêtres. Putain, j'ai pas le temps, il me donne pas les bonnes couleurs. Oh, c'est frustrant de fou. Il a tellement de chat d'avoir 4 couleurs, lui. Il a 4 couleurs, il a que des duos. Non, il a pas que des duos, ça va. Là, ça serait vraiment démentiel, à quel point il est dégueulasse. Je sais pas ce que je peux faire. On peut avoir de la chat là-dessus, là. Je vais faire une petite fever déjà. En vrai, ça sert quasiment à rien, mais. Voilà, je me construis une fever. Une fever avec 5 couleurs, c'est l'enfer. Hein. Il faut vraiment avoir la chatte d'avoir la bonne couleur. Ouais, je vais même pas gagner quoi que ce soit. Il va contrer mes fevers, mais laisse tomber. Le gars contre mes fevers. Que je te dise, moi. Vrai chad, hein. Un vrai chad, le gars. Et à côté, il a 30 secondes de fever à venir. Après, faut qu'il puisse l'avoir, cela dit. Peut-être pas l'avoir, hein, si c'est trop. Je pense que si. On m'annonce qu'il l'a. Allez. Je suis mort. J'avais pas les bonnes couleurs. J'ai la haine. J'avais pas les bonnes couleurs pour avoir mon fever. J'ai la giga haineasse. J'ai la giga haineasse. C'est horrible. Il est vraiment trop trop dur, hein, ça, ce niveau. Hein. Faut savoir que quand on est habitué à Pouillon, on n'est pas habitué à ce genre de type de Pouillon. On n'est pas habitué à des fights avec 5 couleurs et des triples ou quadruples pouillots là, l'enfer. L'enfer sur terre. Mais ferme ta gueule par putain de pitié, je t'en supplie. Ferme-la. Je le hais. Qu'est-ce que j'aime ce jeu malgré tout. Allez. Voilà. Allez, bien. Hop. Où j'ai de la chatte. Bleu, violet, vieux. Bleu, ok. Super. J'ai une fever plus faible.
Je suis mort. Je suis décédé. Je n'ai aucune chance de survivre. J'ai aucune chance de survie. Je n'ai aucune chance de survie. C'est mort. Ah, lui, il build des trucs, quoi. Dans sa fever, il build des trucs. Il a une IA. Il a une IA qui lui permet d'agrémenter ses fevers. C'est-à-dire qu'il a des fevers. Normalement, les fevers, déjà, c'est puissant. Et en plus de ça, il les rend plus fortes. Ce mec est juste injouable. Hein. Cet ordi est injouable. C'est incroyable. La force le respect. Oh non, 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 non. Oh, l'erreur. Déjà une erreur. Non, mais c'est terrible. Le gars t'harcèle au petit déjeuner, c'est terrible. J'en ai vu des harceleurs. Bien joué. C'est dur, c'est quasi injouable. Hein. Ah, ça rigolait pas à l'époque, hein, les jeux difficiles. Hein. Ça rigolait pas. Hein. J'essaye, hein, j'essaie vraiment, j'essaie tout. Je vais vraiment tout donner, mais c'est couru d'avance, quoi. Évidemment, parce que je vais me faire baiser, mais bon. Tu veux avoir de 15 secondes. Hein. Plus qu'à prier de pouvoir faire quelque chose derrière parce que là, oh là 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 là, bien sûr, bien sûr, bien sûr, les pires couleurs possibles. Merci beaucoup. Aïe aïe aïe, il me laisse vraiment pas le temps de respirer. Est-ce qu'il va contrer ma fever? Non, mais il va m'en balancer une nouvelle là. Non. Ah non, même pas. Non, oh, la chatte. Ouais, c'est de la chatte. Hein. Ouais, c'est de la pure chatte. J'ai dit qu'il fallait de la chatte pour le battre. Quand on a commencé, j'ai dit qu'il faut de la chatte pour gagner là. Oh la chatte, il avait juste pas la bonne couleur. Ah c'est vrai, là c'est le seul moyen de gagner, c'est la chatte. Je crois même que quand j'étais petit, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais réussi à le battre, c'est vraiment juste qu'il était quasi suicidé. Hein, et de la merde. On a réussi. J'ai réussi, j'ai eu ce que je voulais. Je l'ai battu. Les Gong. Oh là là. J'ai battu le mode le plus dur de Puyo Pop Fever. Et c'est peu dire, hein. Putain. 5, j'avais oublié, hein, l'enfer. C'était 5 couleurs avec plein de, avec des triples, des triples Puyo et des gros Puyo, là, multicolores. Oh, oh l'angoisse de ce mode de jeu, hein. Mais en même temps, c'est ça qui m'a frangé sur Puyo, quand même. J'aime vraiment trop Puyo, hein. C'est vraiment un jeu que j'adore. On fait ce mode-là en mettant Veriade dans le paramètre. M'en parle pas de ça. Ça m'en parle pas. Alors qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre, Rayman? Rayman GBA. Je pense qu'il y a Rayman sur Game Boy Advance, il y avait un Rayman, je me souviens. Il y avait un Rayman sur Game Boy Advance, il faut juste que je le retrouve. Oh, let's go. Merci beaucoup pour la Mega Fiesta. Merci beaucoup Canabéral pour les 10. Non, merci beaucoup, des gros gros bisous. Des gros bisous, merci beaucoup. Rayman 10e anniversaire, qu'est-ce que c'est ça, Rayman 10e anniversaire? Rayman 10e anniversaire, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais chercher la Rayman GBA. Parce que là, j'ai bien envie de faire un petit Rayman. Est-ce qu'il n'y a pas des Rayman cryptiques sur Game Boy Advance? Rayman Advance. Oh, c'est... Ah, c'est Rayman Advance qui s'appelle le jeu. Quelle vie. Rayman Advance. Eh ben, on va prendre ça. Alors, Rayman Advance, c'est parti. Je viens de le retrouver dans ma bibliothèque, bien sûr, personnel. Rayman Advance. Tac. Europe. Ah, c'est ça qu'on veut. Rayman Advance, Europe. Let's go. Je viens de le retrouver dans ma besace, là. Il était dans mon,
dans un fichier à moi là qui est là depuis longtemps. Après, c'est pour le coup, c'est des jeux que j'ai eu, donc c'est des jeux que j'ai eu dans ma vie, donc au final c'est ok quoi. Qu'est-ce qu'il a branlé? Vraiment, des fois Google Chrome, c'est incroyable. Est-ce que vous avez des questions sur Pipaker, tiens? Est-ce que vous avez des questions là? En vrai. Allez hop, merci beaucoup Pouillot Pop Fever, grâce à qui on a passé un excellent moment. On retourne sur Game Boy Advance. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on peut faire ça du coup sur plein de titres de jeux. Game Boy Advance, NES, Super NES. C'est quoi, les Master System, je crois. Après, en vrai, Pipaker, c'est très simple à comprendre. Hein. Il n'y a pas grand chose à essayer de comprendre pour le coup. Hop. Je vous pose vraiment la question de la légalité vu qu'ils fournissent des émulateurs. Eh ben, justement, ils sont dans la même catégorie que ROM Station, etc., je pense. Et, mais mieux en plus, pour le coup, parce qu'ils essayent de travailler en plus directement. Ils essayent de travailler directement avec les éditeurs, apparemment. Donc, a priori, c'est pour ça aussi que je montre pas de jeux Nintendo, parce qu'apparemment, ils sont en train de voir avec certains éditeurs, etc., s'ils pourraient pas avoir de nouveaux titres, etc. Enfin, voilà. Pas mal de trucs. Donc, en vrai, a priori, il y a zéro problème de légalité. Et j'ai posé la question aussi à la personne qui m'a mis en contact avec eux. Est-ce qu'on est vraiment sûr que légalement parlant, c'est cool ce qui se passe? Et apparemment, oui. J'ai pas tous les détails parce que je suis pas le genre de personne à me plonger à fond dans les détails non plus. Mais a priori, on est sur quelque chose de solide. Un petit problème de chargement ici ou... C'est pas arrivé, hein. Un truc qui est en bêta. Hein. Si ça se trouve, ma ROM est à chier aussi. On va retester. Hop. Alors, est-ce que ça a marché cette fois? On va voir. Ah, voilà, parfait. Je pense que c'est parce que je l'avais glissé directement du point rare. Je l'avais pas extrait avant. Parce que je l'ai mis dans un point rare, mon Rayman. Alors, Rayman, oh là là. Les bons graphismes de la Game Boy Advance, là. Hein. Oui. Ah! Cab. C'est mon nom. C'est comme ça qu'on m'appelle dans la vie. Casbam. Cab. L'importation n'est pas gratuite. Ah oui, le système de ROM comme ça, là. Là, actuellement, vous pouvez l'avoir 2 mois gratuitement grâce à mon code, mais je pense que ce sera peut-être quelque chose de payant plus tard. Il faut savoir que, contrairement à certains autres trucs, ce qui est vraiment pratique, c'est que là, vous l'ouvrez dans votre navigateur. C'est dans votre navigateur, alors que ça marche. C'est compatible clavier, manette, directement, ça se pose aucune question. Et surtout, là, je balance ce lien-là à un de mes potes. Et je joue en multijoueur directement, lui via son Google Chrome aussi. Et il y a zéro latence, a priori. Ça a pu se vérifier chez d'autres streamers qui avaient justement fait le truc et n'avaient pas eu de latence de leur côté. Donc la seconde, quoi. Moi, j'ai pas l'ami. Alors, on va voir. Mon Dieu! Oh, Rayman, mais pourquoi c'est si zoomé, Rayman? Oh, c'est tellement zoomé. Oh, la version Game Boy était tellement zoomée, quelle vie! Vache. C'est autre chose que la version PS1. Hein. Mais c'est toujours aussi cool. J'aime tellement Rayman. Putain, c'est tellement triste en fait, c'est fini. Oh, la musique de la Game Boy Advance. Oh là là. Oh la vache. C'est un délire, hein. Tellement de compression dans la musique de Game Boy Advance et tout. Pour ceux qui ne connaissaient pas Rayman, vraiment un des meilleurs jeux de plateforme à mon sens. Très très exigeant et très très vénère pour des enfants. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait de la durée de vie dans les jeux vidéo, c'était en les rendant très durs. Donc bon, voilà. Aujourd'hui, on s'en fout. On fait des niveaux qu'on a déjà vu dans plein de jeux vidéo. On rajoute quelques mécaniques que les gens connaissent pas, ou alors qu'ils ont déjà vu ailleurs, mais pas sûr qu'ils les aient vus pour de vrai.
Et voilà, on fait des jeux qui durent 10... On fait des jeux qui durent 15 heures et on les fait coûter 60€ et on s'en fout, quoi. On rajoute juste des personnages en plus pour qu'on rejoue au même jeu 3 fois. Mais avant, on faisait des vrais jeux. Très dur. Parce que c'était beaucoup plus compliqué aussi de faire des jeux. Donc les jeux étaient plus courts, mais beaucoup plus durs. Donc plus, au final, assez long à jouer. Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais maintenant. Rayman Redemption est tellement bien aussi. Rayman Redemption, oui, bah Rayman Redemption, on l'avait fait. On a fait un let's play complet. Ah ça y est, je peux utiliser mon point. Let's go. On avait fait un let's play de Rayman Redemption, qui lui, pour le coup, est vraiment un espèce de remake. Remake de la version PS1 avec des trucs en plus et tout, c'est vraiment stylé, hein, pour le coup. Là, je me souviens tellement encore du jeu. Bon, c'est incroyable quand même, je l'ai fait tellement de fois, Rayman. Ça me fait juste tellement plaisir, le pour hasard. En vrai, il y a quoi comme jeu vraiment Game Boy Game Boy Advance, y a pas que Game Boy Advance, tu l'as dit, il y a aussi SNES et tout, mais... Moi, j'ai une grosse préférence pour la... Pour la Game Boy Advance, forcément. Oh merde, j'ai cru que j'avais l'hélico. J'étais habitué à avoir l'hélico. Du coup, j'allais l'utiliser, et en fait, non. Le rêve de la nostalgie, j'ai l'impression. Bah, c'est un peu ça, hein. Pie Packer, ça permet justement de pouvoir se donner à fond au niveau de nostalgie, là. Pie Packer, pour le coup, c'est vraiment la nostalgie à fond, parce que vous avez plein de jeux rétro, et plein de jeux indés de style rétro aussi. Donc là-dessus, la nostalgie, on est bien dedans, ouais. C'est bien le thème. Et je sais pas du tout ce qu'ils planifient en termes d'autres... En termes d'autres plateformes, mais il y aura peut-être... Si ça se trouve, il y aura peut-être encore d'autres plateformes que celles qu'on a actuellement, plus tard. Et d'autres éditeurs aussi. Ils prévoient actuellement de rajouter des jeux et tout, donc... tellement débile, ces ennemis. Oh, putain, sur Game Boy Advance, c'était horrible, en fait, Rayman sur Game Boy. Parce que tu vois tellement pas le niveau. Ils ont tellement zoomé le jeu, ils ont tellement zoomé pour que tu puisses voir ton perso, qu'au final, tu vois vraiment pas grand-chose de niveau par rapport à ce que j'ai l'habitude sur PS1. Hein ? Ah oui, d'accord. Bon, je voulais juste tester, mais j'avoue que ça me... Je préférais quand même la version PS1, pour le coup. Le fait que je me limite qu'il y a des jeux solo aussi, c'est... entre guillemets, dommage. Enfin, faudrait que je teste leur Arsène Bomber, là. Parce que là, apparemment, il y a un événement sur le truc. Il y a un événement, je crois que ça se joue en multi contre d'autres gens, je crois. Je vais regarder, hein. Je testais. Arsène Bomber. Arsène Lupin, Gentle Bomber. C'est pas du tout Bomberman, ne vous inquiétez pas. Si. Seul le mode Darkness Invasion fait partie de la compétition. Pour voir les règles, la récompense, elle est là, ok. Ok. Écoutez, je vais tester. Ça, c'est un jeu de Pie Packer, directement. Je vais tester ça, aussi. On va y voir. Ça se joue quand... Je suis obligé de jouer avec un pote. On dirait le professeur Layton, vas-y. Merde. Herlock Holmes. Ah oui, je suis obligé d'être avec un pote, chien. J'ai vraiment pas le droit de jouer solo. Ah, dommage. Pas d'amis, moi. Peut-être que... Comment est-ce que je peux mettre mon clavier en joueur 2? Attends. Ajouter un joueur local, regardez. Hop! Parfait. Vous avez vu? Simple comme bonjour. Je savais même pas qu'on pouvait le faire et je le trouve dans 2 secondes. Ça, c'est-à-dire que si j'ai un autre contrôleur, on peut jouer en local aussi, hein. Bien, ça, hein. Clavier. Tac. Darkness Invasion. Donc c'est survive as long as you can while collecting coins and emitting shadows. Bon, franchement, let's go essayer des trucs, hein. Plasma Senna. Ok.
Bon, je découvre, hein. Je connais pas du tout le jeu. Mais c'est pas du tout le bon moment, en fait. Ok. Bon, mon pote sert à rien, en final, hein. Du coup, c'est dommage. J'ai un temps de recharge, en plus, à chaque fois, hein, je te le dis. J'espère que je peux tous les tuer en un coup, parce que sinon, c'est dur. Ouh! À la vitesse. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me sert d'être en feu. Oh non, un puppy! Oh non! J'ai tué le yesh. Le chais. Prends-tu les bonus en vrai? C'est stylé quand même. Ouais, c'est un peu sympa. Hein. Vraiment les vieux jeux d'arcade là. Les bonnes ondes d'arcade là. Vous êtes nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et ça fait super plaisir, mais stop. Ok, ok. Non, mais c'est vraiment fait pour jouer à deux ça. C'est vraiment un mode de joueur. Hein. c'est vraiment fait pour deux joueurs. Ça va être compliqué malheureusement de jouer en solo. Nom de l'équipe, Nom de l'équipe... Toka, l'équipe est Toka. Sauvegarde, merci à mon équipe. Merci à mon équipe de 1 d'avoir fait ce score incroyable. Ouh. Ah c'est dommage, ça doit être vraiment fun à deux ça. Hein. En plus il a l'air d'avoir des dingueries hein, quand on voit le ça là. Worms World Party, putain le vieux Worms. Aïe 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 aïe. Le vieux Worms. Bon oui, je vous ai demandé tout à l'heure des jeux qui pourraient être stylés là, à faire dans ce truc. En fait, moi, j'ai pas assez d'idées comme ça qui me viennent en tête de jeux rétro, mais... deux secondes, j'en ai un truc. Voilà. DuckTales, j'ai jamais joué à DuckTales. Jamais joué à DuckTales. Est-ce que c'est vraiment sympa, DuckTales? Qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est là. Oui, il a l'air stylé. Ou alors, par contre, excuse-moi, mais ce jeu a l'air stylé. Excusez-moi. Ce jeu a l'air stylé. Ce jeu m'intéresse. C'est un jeu récent de 2019, mais qui fait tellement rétro que du coup, il est là-dedans. Ok, stylé. Attendez. Ah bah, excusez-moi. Sonic, c'est vrai que Sonic c'est pas être marrant. Mega Cat. Bah ok, Mega Cat. Après en vrai là maintenant je peux m'arrêter, ça fait 2 heures. Mais j'ai envie de continuer pour le moment. Sauf que je dois faire un live de 2 heures à la base. Hein. Ça fait un peu plus de 2 heures là, mais bon, je suis bien. Hein. Ah, ça a l'air stylé. Ouais, ça m'a donné envie de jouer à ce truc, Arsène Lupin, mais j'ai pas l'ami non plus. Dommage. Je crois. Pourquoi c'est la musique de Crazy Frog? Je sais que c'est juste popcorn, mais on a le droit d'avoir cette musique là? C'est moi qui contrôle le petit perso. Hein. On a le droit de cette musique? Moi j'adore les petits jeux de plateforme là, enfin les petits jeux d'énigmes là. Ouais, ok. Ah ok, il faut passer à travers un bloc. Okay. Si tu passes à travers le bloc, il devient dur, ok. Ok, ok, je comprends. C'est un peu de la triche d'avoir cette musique, non? Ça fait pas en vrai. Hein? Ah oui, bah non, je suis bête. C'est sympa. C'est stylé. Ça se fait tout seul là, ok, ça se fait tout seul. Comment
Comment je l'ai de l'autre côté? Ah oui, comme ça. Oui, c'est stylé. Je me suis là, genre bloqué là. Je vais te crever. Ah, on peut se... Ah oui, on peut carrément se softlock. Ah ouais, on peut se softlock l'enfer. L'angoisse, en fait. L'angoisse, tu peux te softlock, c'est complètement con. Je vais pourri. On est deux persos, non. Oh, me dis pas que je vais encore jouer à deux, là. Pitié, je suis pas d'amis, moi. Mais non, mais... Je suis pas d'amis. Ah, je dois juste appuyer sur un autre bouton, ok. C'est pas clair. Il y a juste un bouton. Pourquoi c'est lucratif? On s'est tous posé la question, t'inquiète. Ok, il commence à y avoir des bails. Mais ouais, mais là, je vais devoir l'attendre une heure, là. Ok. Ok, on peut le traverser dans un sens, cela. Assez évident. Allez, dépêche-toi. Merci. Tiens. Est-ce que j'ai encore de nos softlocks? Pitié, dites-moi que non. Non, ça va. Qu'est-ce que je veux faire, hein? Ils me disent même pas qu'il y a un autre perso. C'est un jeu de con. Excusez-moi, hein. Je me permets. Je me permets, hein. Heureusement qu'il n'y a pas un nombre de coups limité. Bah ça, ce serait horrible. Ok. Bon. Ah. Nouvelle musique? Ok, c'est un plagiat local musique du coup maintenant? Elle est sympa, mais j'ai du mal à croire qu'elle est originale du coup. C'est Mario. Ah non, c'est pas Mario ça. J'ai pas vu que c'était un truc qui me mettait automatiquement à... Ok. Softlock est si vite arrivé. C'est vrai que ça a l'air. Hein. En vrai, ça a l'air de pouvoir arriver très vite les softlocks hein, là-dessus.
exclusif. Par contre, je vois que j'ai deux points de vie, là. C'est pas la chose la plus rassurante que j'ai vue de la journée. Ah bah oui, mais ah oui, je me suis foutu dans la merde avec un personnel de merde, moi. Je suis trop con. Hein. Ok. Là, c'est fini de dire... J'allais dire, c'est fini d'agir comme un bourrin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi comme un bourrin. Oh, le crack. Le crack. Oh, l'enfer. Pourquoi on est deux? Attends, on peut se marcher dessus. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais en vrai... On peut regarder le niveau. Première nouvelle. Je sais pas qui je joue là. En fait on s'en fout. Ça sert à quoi d'avoir deux persos là? Pas l'intérêt. Juste pour refaire deux fois ça, hein, j'en ai rien à foutre. Ouais, bon, allez. Allez, ça va. Comment il s'appelle le jeu? Si vous voulez le faire en entier, vous de votre côté, Old Towers. J'avoue que il m'a pas transcendé, personnellement. Le principe est bien cool, bien old school, mais bon, voilà, ça va. Ça va, ça va. Pas passer mon meilleur moment. En vrai, est-ce que je m'arrêterai pas quand même? Ça fait 2h20. En vrai, y a d'autres trucs qui pourraient être sympas à faire. Hein, mais bon, après, voilà quoi. Voilà, voilà, on pourrait se discuter, se mettre bien. Et j'ai pas fait de pause depuis 2h30. J'ai pas vous. Depuis même 3h là, je crois. Pas vous mentir qu'une petite pause, ça me ferait du bien là. Du coup, YouTube, des bisous. J'espère que t'as bien aimé. Le principe de Pipehacker. Et si vous venez d'arriver, je vous remets le trailer à la limite. Je peux vous remettre le petit trailer s'il est toujours là. Il est toujours là, je vous remets le trailer. Vraiment sympa. Et YouTube, des bisous, à bientôt. N'oublie pas qu'il y a mon code si tu veux pouvoir tester le Bring Your Own Game pour pouvoir mettre ta propre petite RAM, ta propre petite ROM dessus. Eh bien, il y a le code PAI123 Lunatique. Et voilà, c'est dans la description de toute façon. Bisous, bisous YouTube, bien sûr. À bientôt. Salut mon